Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah ah, chers amis, bienvenue. Bienvenue dans le château de Dracula. Je suis Alucard et je serai votre vampire pour la journée. Le vampire du délice, bien sûr. Un vampire nommé délice. Un vampire nommé amour. Parce que je suis... J'ai récupéré donc lors du dernier épisode le pouvoir de brume ainsi que le pouvoir des chauves-souris. Et oh, c'est quoi ça? Hop. Ah ah. Ah ah! Et sans lire les solutions, chers amis! Sans lire les solutions. Bob, tu mens, t'as regardé tous les milliers de commentaires qu'ils ont dû faire sur la vidéo précédente pour te dire comment activer ce machin. Eh bien non, chers amis, je l'ignorais parfaitement parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai tourné les deux épisodes à la suite. Donc j'ai eu de la chance. Allons-y. Niveau maximal de munitions augmenté. J'aurais préféré de la vie, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Comment ça se fait que la pression marche là ici du coup? Ah, elle ne marche pas, elle est sous l'eau, effectivement. Très bien. Bon bah très bien, on a gagné du bonus, à moi les bonus. En fait je voulais revenir en arrière pour voir si la brume pouvait m'aider à atteindre le coffre. Mais il s'avère que non seulement ce n'était pas le cas, mais en plus non quoi, tout simplement. Enfin un petit peu, ça fait toujours plaisir. Y a bon la brume. Hop. Tac, 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 tac. Donc là, ça ne passe pas. Donc là, ça ne passe pas. Il y a une saloperie là, dans la pièce à côté. Il faudrait que je réussisse à monter, mais j'ignore comment monter. C'est ça le mystère, en fait. Le mystère d'aujourd'hui. Là, il n'y avait juste qu'un coffre. Avec un magnifique décor, hein. Un magnifique décor juste pour un... Pas un coffre, mais juste pour un chevalier, vous remarquez. Quand même, ils se font chier, hein. Il y a quand même un minimum de boulot qui a été fait sur ce jeu. Ça s'est difficilement foutu de notre gueule, si je puis me permettre. Je passe par là, et là, il n'y a rien. Je ne peux pas passer à travers ça. Là, il y a une énigme qui m'échappe, je tiens à l'avouer. Pas passer. Ouais, tu peux quand même dasher vachement plus loin. Attends. Oui, ça, je sais que je peux monter là, mais... Ah non, je savais pas. Ah non! Effectivement, je ne savais pas que je pouvais monter, je me disais aussi. Excellent. Par pure chance, encore une fois, chers amis, nous avons réussi à passer et à vaincre. C'est ça qui est bon. Donc là, ça doit être la suite de l'histoire, tandis que là... Non, ça ne marche pas, dommage. Parce que c'est un bonus de mana en plus derrière, donc moi ça m'intéresse, mais c'est pas grave. Allons-y, allons-y. Le théâtre, encore. Très bien, et bien écoute, progressons et... Oh! Un cube à bignou magique. C'est génial. Oh. Ah ah! Je sais absolument pas comment j'ai fait, chers amis. C'était du pif, je tiens à le dire. C'était du bon gros vieux pif, comme à l'accoutumée. Bah écoutez, bienvenue en tout cas dans cet épisode numéro 8 de Castlevania A Mirror of Fate, le miroir du destin délicieux. Parce que là, pour le coup, hop, on monte. Oh, du feu. Si je brûle la main, que se passe-t-il? Eh, ça flambe bien! Enfin, est-ce que je peux passer? Eh oui! Est-ce que ça sert à quelque chose? Absolument à rien, chers amis. Bon, c'est pas très grave. Du coup, ce poids. Ce poids. J'imagine qu'il serait plus utile en bas, non? À quoi sert-il? Ah, à se mettre dessus pour faire des bonds de cabri! Cabri, c'est fini! Excellent! Le tuyau propulse là la fumée, poussant ainsi le bloc de 8504 kilos. Mais c'est pas grave. On y croit. Ce qui active le bouton, ça va. Côté énigme, c'est plutôt simple, j'ai envie de dire. Et oh, je suis en dessous du carrousel. Simon ne devrait plus tarder. Ça s'est passé exactement comme ça en vrai. J'étais aussi talentueux, aussi souple et aussi formidable. Et voilà.
Ça a le mérite d'être stylé. It's not possible. Ah, il faut que je crame cette main donc. D'accord, donc tout ceci n'était qu'un tutoriel pour la véritable énigme. Ah putain, j'ai l'impression de jouer un jeu au jeu attrape-souris, tu sais, le vieux jeu de plateau. Bon, déjà, commençons par prendre son âme. Indice 1, indice 2, indice 3. L'ordre de question que je nécessite d'indice, chers amis. Réfléchissons. Voyons voir. Réfléchissons. Donnez-moi quelques secondes, hein, j'essaie de... Non. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ah ah! Ah ah! Oups! C'est pas exactement ce que je souhaitais faire. C'est une erreur de ma part. Encore. Encore, délicieux marionnettiste. Voilà, excellent. Donc là, on tire ça. Ouais. Il va falloir faire ça en plusieurs temps, j'imagine. Très bien. On tire ça. Hop. On machine les mains. Hop, on prend ce cucube. Ah, attends, je ne peux pas y aller là. Je ne peux pas y aller, très bien, je viens de comprendre. Pas de soucis. Il faut juste que je procède dans un ordre différent. Hop. Je viens encore de comprendre. Bob, ça fait trois fois que tu dis que t'as compris, mais en fait tu foires ton coup, c'est ça? Ouais, non, je pour de vrai, attendez. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Accordez-moi un minimum, aïe, un minimum de crédit. Voilà. Bob, tu pouvais le tirer aussi. Je sais, mais c'est plus stylé. La. Hop. Très bien. Voilà. Je ne peux pas monter, très bien. Donc c'est une ligne qu'on doit faire sans monter. Ou alors on peut monter par la droite là-bas, mais j'en doute. Enfin par la gauche là-bas, mais j'en doute. Ça va activer ça. Ça fait pousser normalement là, non? Ça marche pas ça? Non, d'accord, ça ne marchera qu'après, très bien. Ok, je suis en train de comprendre. Ça y est, c'est venu. Ok. La. C'est bon, là ça monte. Je vais permets de placer ça ici. Dans ce cas, j'ai fait une connerie. Voilà, j'ai fait une connerie, mais vous en faites pas, ça maîtrise, ça gère. Ça gère la fougère. Hop là! La. Oh bah attends, pourquoi tu... Oh! Voilà, ça y est, j'y suis. On tire ce cube là! Regardez le processus. On tire ce cube là! On utilise les mains du pantin pour le descendre. Au premier étage. C'est-à-dire au rez-de-chaussée. Crac-crunk. Crac-crunk. Et crac-crunk, exactement. Ensuite, on le décale. On décale.
On utilise ça là pour gagner un peu de temps par la suite. Et on pousse ce cube ici. On le fait monter au second étage. Hop. On utilise le cube électromagnétique démoniaque pour le mettre sur la plaque de pression. Ce qui active le passage en dessous qui permettra de souffler dedans comme on souffle dans une bite pour gonfler les couilles. On utilise encore deux fois, et enfin trois fois hein, en tout, là il reste plus que deux plus qu'une, les mains mécaniques pour monter le cube enflammé. Et enfin, mais pas les moindres, on souffle dans le tuyau, on souffle dans le poireau pour faire tourner les boules et pousser ainsi le cube enflammé qui va enflammer la main, relâcher la pousille, lâcher le truc gigantesque et sauver Simon Belmont. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait une énigme stylée. Bonsoir. Wait. Qu'est-ce qui lui arrive? Torchon? Bonne question. Sauf que Torchon a déjà disparu. Ah putain! Maudit sois-tu, Torchon! Toi et tes énigmes! Lui et ses énigmes délicieusement démoniaques. Ouh, apparemment je peux passer là. Oh! J'ignore où je vais là. Bob, tu fais n'importe quoi! Très probablement, chers amis. Ah! Voilà la salle de l'énigme. Très bien. Huée! Huée! Oula oula! Oula 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 oula, chers amis! Huée! Ah! Pourquoi je peux pas descendre par la droite là? Bon, déjà commençons par passer par là. Ah, avec le fameux passage secret! Pourquoi ne puis-je pas descendre par la droite afin de récupérer peut-être un peu de mana? Parce que c'est pas que ça pourrait être utile, mais. Ah, très bien. Ah, excellent. Je peux donc récupérer pas mal de choses là. Déjà cette puissance magique qui est délicieuse. Ensuite, oh, des marionnettes. Des marionnettes du marionnettiste. Vous n'avez pas de sang à boire. Vous ne m'intéressez. Oh putain, vous ne m'intéressez donc pas. Huit. Stylé. Hop 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 hop. Est-ce que je perds de la mana en restant comme ça ou en attaquant? Non, juste en esquivant. Est-ce que je peux encore me prendre des coups quand je suis dans cet état? J'ai pas testé hein. Il me semble pas hein. Et j'ai quand même perdu de la mana mais j'ai dû regagner la vie. D'accord, tuer des ennemis dans cet état doit remonter ma barre de vie quelque part. Ah, excellent. Voilà ce que je recherchais. Alors, une voix mystérieuse m'invite à m'asseoir. J'avais une bonne place au premier rang. Le spectacle commença par une procession de marionnettes en bois racontant la triste histoire du fabricant de jouets. Le spectacle s'acheva, le rideau se baissa et j'applaudis, perdu dans mes pensées, sans me rendre compte que des dizaines de marionnettes étaient assises avec moi et applaudissaient de concert. Wow. Ça, c'est quand même très baroque, hein. C'est la flippe. Excellent, excellent, excellent. Bien, 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 bien. Encore un petit coup, ça fait plaisir. Porte fermée, magiquement. Un autre passage, très bien. Je vais le prendre par pure curiosité. Parce qu'il y a plein de choses secrètes et magiques à explorer ici. Nouvelle entrée du bestiaire débloquée. Ah, il y a plus... il y a tout un bordel avant. Ah, et je peux toujours pas ouvrir la porte. Très bien. D'accord. Avant, il y avait plein de caisses, vous voyez, qui m'empêchaient de passer. Mais là, c'est plus le cas. Du coup, on peut redasher à nouveau et ravancer. Très bien. Très bien, très bien. Bob, arrête de boire aux fontaines. Ah, je suis désolé. J'applique la stratégie de l'écureuil. Non, 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 les enfants. Vous avez été sages, je me suis déjà battu contre vous. On va arrêter maintenant.
On va cesser la dissidence. Alors. Wow, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Vous êtes en plus complètement dissident. Et voilà. J'ai pas regagné de vie. Alors je ne sais pas comment fonctionne le... Non. Voilà. Alors je ne sais pas exactement comment fonctionne le système de la brume. C'est pas grave. Cool enough, hein, c'est pas grave, on peut très bien s'en sortir sans. Je pense qu'il y a moyen de se démerder de manière assez intelligente. Alors, nous sommes donc dans un jardin de botanique. Oh, botanique ta mère et... Non, botanique ça veut dire plante. On le sait, Bob, arrête de nous prendre pour des cons. Mais non, c'est mon travail. Non, j'ai qu'à... le gars, tu sais. T'aurais fait un excellent politique. Je sais, le gars. Alors, quelles sont ces griffures sur les bords? Ah, ah. Oh shit! Raté, bien tenté! Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce Pokémon géant? Oula, on va pas claquer la magie tout de suite. Ah, il est affaibli! Il est affaibli! Il a compris qui était le maître. Ouais, il m'envoie des boulettes de... Ah non, d'accord, c'est des petits. D'accord, je croyais qu'il m'envoyait des boulettes de poils. Comme un chat dissident. Ah, qu'est-ce que... Il m'envoie des dents. Qu'est-ce que... Ah, Burk, c'est dégueulasse. Putain, mais il a des vers et... Il faut un vermifuge, les enfants. Vermifugez bien vos animaux. Ah, d'accord, je peux me faire toucher en brûle, très bien. J'ai pas l'impression d'avoir pris si cher. Yeah. Bien tenté, mais tes magnifiques et gigantesques monstres ne seront d'aucune... d'aucune force face à moi. Et voilà. Il a craqué psychologiquement, qu'est-ce qu'il fait? Ah. Hurray. Tiens, t'as le poil bien lustré. Non, on ne me digère pas, on ne me digère pas. Voilà. Putain, il est au tiers de sa life. Vous êtes sérieux les enfourés? Oh fuck. Oh, Burk, d'accord. Oh. Yeah. Ah, bien tenté avec tes magots, mais ça ne sert... Ah putain, oh là, le triple combo. Yeah. Alors. Ah. Raté. Ah, bien joué. Faut que je me fasse... Dès qu'il lève la queue, il faut que je saute. Ah putain, il envoie encore une bouboule. Allez, donne-moi un peu de mana. Raté. Ah, raté. Ce coup-ci, tu as échoué dans ton attaque. Raté encore une fois. La même attaque ne marche pas 14 fois sur le même chevalier. Et voilà, il est affaibli. Il prépare un prout intergalactique, mais ce coup-ci, encore une fois, un petit jet d'acide sur sa face. C'est l'heure de ton shampoing. Quand j'en aurai fini avec toi, ton vétérinaire va avoir du boulot, mon minet. Wouah, il spam. Il spam les grenades. Bon, c'est pas l'attaque la plus terrifiante que tu as. Ah, bien joué. Oh là 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 là, double attaque. Ok, très bien. Il vole, il volette, il fait des attaques, il envoie ses magots, très bien. Oh, je bouffe, je suis trop con, moi aussi j'essaie de l'attaquer et je bouffe. Hop. Allez.
Raté. Ah merde, 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 il va me charger, il va me charger. Non, 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 non. Ah putain. Je commence à manquer de vie, je commence à manquer de magie, je commence à manquer de tout ici. On manque de ressources. Ouais, bon, ça passe. Il a tenté de me manger. Allez. Oh merde, 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 merde. Ah, dommage, t'as raté le deuxième coup, mais tu l'aurais payé celui-là. Ah, tu recules pour mieux me charger. J'aime quand tu fais ça, prends ça. L'attaque de mes araignées, enfin de mes chauves-souris démoniaques. Il me relâche encore un peu de mana, c'est gentil de sa part. Je te tiens. Allez. Dernier service, saloperie. Ya. Allez, allez, om nom 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 nom. Ton âme est à moi. Couché. Voilà. Bien. Maintenant que le petit chien-chien à sa mémère s'est couché, j'ai obtenu les griffes de l'ombre. Utilisez-les pour escalader les murs. Ha 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 ha. Phew. Eh ben putain. Eh ben putain, tu parles d'une chérie. Phew. Victoire. Victoire. Ha 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 ha. On est trop forts, chers amis. Tout est contre ce mur pour utiliser les griffes de l'ombre. Ok. Très bien, soit... Je souhaiterais peut-être explorer un peu. Hop. D'accord. Hop. 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 Hop là. Une nouvelle entrée du bestiaire. Excellent. Bien, 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 bien. Bah, tout ceci s'organise très, très bien, chers amis. Voilà, un but de nouveaux super pouvoirs extrêmement délicieux. Me voilà arrivé à la deuxième point d'objectif qui nous intéresse. Bob, tu peux aller récupérer tous les coffres et les choses et tout ça. Oui, je sais, je sais. Écoute, hein, je ferai ça en off. Hein. Je vous aime, mais... Sinon, on n'en finira jamais. Ah ah. Pourquoi le temps recule? Hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'en sait rien. En tout cas. Permets pas d'ouvrir cette porte. Et fuck. Et là, il y a de la foudre. Ok. D'abord récupérer un peu de matos ici. Voilà. Ainsi qu'un petit peu de vie. Excellent. Bien, et ben, activons. Activons, activons. Grâce à ma croix de combat. C'est quoi cette blague? Non, vous êtes pas sérieux. Qu'est-ce qui... C'est à peine pompé sur Berserk le design. Miaha! Vous avez découvert la forme de loup. Activez-la avec RB pour infliger plus de dégâts à vos adversaires avec vos attaques. Excellent! Forme de loup permet également d'ouvrir certaines portes. Yes! Ah bah voilà! Voilà, effectivement j'avais raison, on peut devenir un loup. Par contre il attaque toujours avec sa chaîne, ça fait aucun sens. Forme de brume, forme de loup. Et forme de chauve-souris, excellent. Hop. C'est stylé. Allez. Par contre, je rigole pas, hein. Le design est complètement pompé sur Berserk. À peine. Non, c'est pompé sur Naruto. Silence, les enfants. Tom. Les pièges électriques qui protègent l'horloge sont trop rapides pour moi. Si seulement je pouvais arrêter le temps, je pourrais atteindre le sommet sans encombre. C'est simple, mais maîtriser le temps n'est qu'un fol espoir dans le domaine du mal et des ténèbres. Oh, ça passe, regarde. Et voilà. Ce qui nous permet encore une fois d'avancer encore un tout petit peu. Et bien, excellent. Excellent, excellent, excellent. Progressons, chers amis, progressons, du progrès. Une forme de loup, voilà qui est plutôt classe.
Alors on arrive vers la fin de l'épisode, je voudrais la tester éventuellement sur un méchant. Ouais, excellent, parfait. Yeah. Ah, effectivement, je tape beaucoup plus dur avec. Oula. Ah, et je m'en prends plein la gueule aussi, ok. C'est parce que je la gère comme de la merde. Ok, ok, j'en bouffe plein la gueule. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est la fin. On le sent de toute façon que c'est le bois coin ça. Ah, allez, marionnette ridicule. Ta vie ne tenait qu'à un fil. Oh, ma bite est plus dure que ton bois. Hop. Tac, 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 tac. Ah, le psychopouvoir. Vous ne pourrez plus me surprendre, hein, si chers amis. Graou. Voilà. Hé hé. Victoire totale et absolue. C'est ça qui est bon. Bien. Eh bien, écoutez, voilà qui va conclure le 8e épisode hein, de Castlevania Mirror of Fate. Ça monte, là. Il y a un truc qui dit que ça monte. Je peux sauter plus haut, en haut. Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Et ceci semble mener à une mort certaine, donc faisons attention. Ok, à conclure cet épisode, donc disais-je, éventuellement si on arrive à trouver un terrain dans... Oh, c'est bon, ça passe. Ah, avec ce dernier parchemin, super, parce qu'en plus ça va le forcer à sauvegarder, c'est idéal. Eh bien écoutez, parmi les marionnettes, j'en ai découvert une qui est différente des autres. On dirait un jeune garçon d'environ 8 ans qui passe ses journées à jouer à cache-cache comme le faisait Edward, mon fils défunt. Ses gestes me le rappellent, et la créature va même jusqu'à siffler le même air que lui. Edward, est-ce que c'est toi? Non, c'est Pinocchio, et dans le mont, il y a Pin. Voilà, c'est ça qui est bon. Eh bien écoutez, c'est parfait, chers amis. Sur ce, je vous remercie, je vous fais de gros 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 bisous, et je vous dis à la prochaine, dans le style et dans le swag de l'amour, c'est ça qui est bon. Allez, zou. Hop. Oh là là, c'est beau. C'est beau, même si je sais pas où... Blablabla. Vous n'avez rien vu.